Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3. Un grand merci pour votre fidélité à notre jeu. Vous êtes passionnés, nos candidats aussi. Et c'est un cinquième match aujourd'hui pour Gilbert qui est avec nous. Bonjour Gilbert. Bonjour. C'est bien, hein? Quatre victoires à votre palmarès. Le match charnière, le cinquième. Cinq victoires, il y a un cadeau, hein. On aura l'occasion de vous en reparler si vous les atteignez. Tout va bien Gilbert? Tout va très bien. Un rappel, rapidement. Tout d'abord, le montant de votre cagnotte. 1 450 €, c'est ce que vous avez remporté jusqu'à maintenant. Petit rappel aussi de d'où vous venez, ce que vous faites aujourd'hui en retraite. Oui. Et vous la vivez cette retraite en Bretagne, où exactement? À Guilherre, à 5-6 km de Brest. Voilà, nous sommes sur le Finistère. Un nouveau match aujourd'hui avec un candidat francilien, c'est Laurent qui nous a rejoint. Il y a des Yvelines, lui. Bonjour Laurent. Ouais, vous êtes déjà passé par chez nous quelques fois avec un certain succès. Variable, très variable, voilà. Variable. Donc il y a eu du bon, du moins bon. Donc on Mais le verra. Plaisir du jeu était intact. Toujours là. Bon, ça va, pas trop peur? Jamais. Jamais. Alors, Laurent se dit, c'est un néologisme, hein, je pense. Vous êtes phobiphobe. Absolument. Ouais, c'est le phobiphobe, c'est. J'ai peur d'avoir peur, quoi. C'est joli, ça, comme définition. Et un sésame pour commencer ce match entre Laurent et Gilbert. Bienvenue à vous, Laurent. Voici la définition que nous vous proposons pour ce sésame. Définition extraite du dictionnaire. Le mot correspondant, nous vous le demandons. C'est un mot de 6 lettres qui s'abstient des plaisirs jugés illicites et des pensées impures. Ça commence par un C. Oui. Chaste. Chaste. Oui. Bonne réponse. Bravo. Voilà. La première lettre arrive toujours au bout de 15 secondes hein, sur ce sésame. Ça vous permet de le remporter, Gilbert. Vous aurez donc le choix en fin d'émission si vous remportez, si et seulement si vous remportez ce match, bien entendu. Puisque voici la première manche. Une première manche avec une dizaine de coups qu'on vous propose. On alterne les lettres, les chiffres, le mot le plus long pour commencer. Et Laurent, qui a la parole. Alors, je vais prendre 6 voyelles, s'il vous plaît. Voici le tirage. I, L, E, 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 R, E, E, N et R. Il n'y avait que 5 E dans la boîte de 6 que vous avez demandé. Votre résultat, Laurent? Pas terrible, je n'ai que 6 lettres. 6 lettres et vous? Pas terrible non plus, j'ai que 6 lettres. Vous avez 6 En 6, Laurent. J'ai trouvé ce tirage irréel. Irréel. Très bien, Laurent, ça me plaît beaucoup, ça. Oui. Et vous, alors, Gilbert? Je ne renie pas ce que j'ai fait, mais c'est renier. Ah, et pas tant. Oui, renier, ça marche aussi. Très bien, messieurs. Non, c'est déjà bien, parce que finalement, on n'avait qu'un mot en 7 lettres. Réélire. Voilà, il fallait... Ah oui. Voilà. Ah, et donc, une petite mise en situation. Je ne sais pas. Est-ce que c'est vous qui allez vous faire réélire l'an prochain? Je ne sais pas. C'est ça que je me présente. C'est contagieux, hein, parce qu'elle aime bien. Ça va être long. Ça va être très long, cette émission. Et ce n'est que le début. C'était que pour le premier être coup réélu, il faut avoir été élu. Bon, malgré les 6 voyelles, vous l'avez compris, c'était un petit tirage avec 6 lettres maximum. 7. 7. Mais tout augmente en ce moment. C'est terrible, ça. Voici les chiffres. 1, 3, 50, 5, 9 et 7 pour 670. Thank you.
Bon. Je repars dans mes vieux démons, je me suis encore trompé de touche, comme lors des dernières émissions. Ah bon? Entre le retour arrière et le multiplier. D'accord. Ah, c'est dommage. On va regarder ce qu'a fait Gilbert. Vous avez quel résultat? 668. Ça suffira? Bah, sûrement, puisqu'il n'a pas. On y va. Qu'est-ce que j'ai fait? 7 moins 3, 4. 4 plus 9, 13. 50 plus 1, 51 fois 13, 663 plus 5. Et ouais. Stéphane va nous le donner. 7 points, tous les deux, pas très inspirés. Je vois maintenant. Alors, on pouvait faire, par exemple... 67 fois 10. Oui. Oui, ça c'est vrai. Moi, j'avais fait différemment. 3 fois 50, 150. 9 plus 7, 16. 150 moins 16, 134. Fois 5, 670. Mais aussi 67 fois 10, effectivement. Mm-hmm. Très bien. Merci. Bon, on l'oublie celui-là. Hein. Oui, on va l'oublier. On va retenir le compte approchant du côté de Gilbert. Ce sera un tarif à 7 points pour vous. Gilbert est en tête. 13 à 6. C'est à Gilbert de choisir pour les lettres maintenant. Trois voyelles, s'il vous plaît. Mm-hmm. Tirage. V, C, E, R, S, D, O, L, T et A. Gilbert. 8 lettres. Combien, vous, Laurent? 7 lettres. Ouais, allez-y. Des crotales. Des crotales, oui, ce serpent. Est-ce que vous avez eu le temps de penser à un mot supplémentaire? J'ai pensé, mais je n'ai pas trouvé. Ah, bon, c'est déjà bien d'avoir essayé. On avait les colverts aussi, ces canards sauvages, évidemment, ces crotales, ou encore des tocardes ou des tolardes. Et des tolardes, voilà, et les colverts. Très bien. Bon, finalement, un joli tirage. Encore une fois, 6 voyelles, on a ramé comme tout. Enfin, ils ont ramé comme tout. Là. Et là, non, mais oui. Tout à l'heure, à 6 voyelles, ils ont ramé comme tout. Et finalement, avec 3 voyelles, il y avait tout de même un choix, voire l'embarras du choix. Ah, il y avait un peu plus de variété aussi, hein. Même s'il y en avait que 3. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de dire en même temps, un peu, Gilbert. Ça va mieux, Gilbert, j'ai l'impression. Oui, ça va. Je suis à l'aise, là. Je suis pas encore à la maison, mais pas loin. Bah, Aussi, il y a les chaussons quand même, Gilbert. Fallait pas dire. Hein, ça se voit pas, mais ils sont là. Les points, regardez, 21 pour Gilbert et 6 du côté de Laurent. On y va avec les chiffres maintenant. 75, 6, 6, 2, 8 et 9 pour 864. Gilbert. Le compte est bon. Et vous, Laurent? 864. Ouais. Allez-y, Gilbert. 9 x 6, 12. 9 x 8, 72. Et 12 x 72, 864. Simple, direct, efficace. Ouais. Ouais, ouais, on va dire comme ça. Bravo à vous deux. Trois opérations. Allez, toujours le même écart. Et les 10 points supplémentaires. On n'a pas parlé de votre profession, Laurent. C'est vrai. Animateur. Animateur. Enchanté. Enchanté aussi. Nous sommes confrères, donc. Absolument, pas dans le même domaine. Non, vous êtes où, vous? En EHPAD. En EHPAD, voilà. En région parisienne. En région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Voilà, ouais. Donc. Et vous les faites jouer de temps en temps à notre jeu? Je les fais jouer, résidents. Je leur fais faire des jeux de lettres, pas vraiment des chiffres et lettres, parce que c'est encore un petit peu compliqué. C'est pareil, c'est les lettres et les lettres que vous faites, alors? Les lettres et les lettres, ouais. Voilà. On va dire ça comme ça. Combien de voyelles sur le tirage, s'il vous plaît, maintenant, Laurent? On va rester à 6. Tirage. O, I, T, I, A, E, T, S, E et M.
Laurent. 8 lettres. Gilbert. J'ai joué 8 aussi. Ouais, le 8 de Laurent pour commencer. Étatisme. Et pour Gilbert ? Étatisme aussi. Voilà, ils ont vu le même mot encore. On en avait d'autres. On avait aussi atomisé, voilà, ou atomiste, hein, donc ce physicien spécialiste de l'atome. Très bien. Plus difficile là, à illustrer, hein, mettre oui. un 1. Ouais. C'est compliqué là. Je vais se réfléchir avant. Vous y revenez, ou pas. Les points, vous étiez tous les deux sur le même nombre de lettres sur le tirage. C'est bien joué, Laurent et Gilbert. 24, 39, de l'avance pour Gilbert pour le moment. Et les chiffres qui arrivent. 25, 6, 2, 8, 1 et 7 pour 727. Laurent. Non, j'ai pas eu le temps. Tu me trompes, ça fait. Vous avez quoi ? Vous avez non, non. 350, mais 350, j'étais pas. 350, ouais. Ouais, c'est pas arrivé. C'est un peu plus près ? J'ai le double. Vous êtes à 700. Oui, on pouvait faire on regarde beaucoup le 700. Mieux, ça fait deux fois. Putain, c'est con. 8 et 6, 14. Fois 2, 28. Fois 25, 700. Si j'avais distribué simplement le 28, j'arrivais à 725 déjà. Enfin, 28 plus 1. 25, mais non. Ouais, c'était un peu panique à bord hein, des deux complètement. Côtés. Ça vous intéresse pas, Gilbert, approchant de Gilbert. Si. Je suis en train de discuter avec vous. Ben, si, si, oui. Si, si. Bon, Stéphane. Vous voulez la solution ? Ben, c'est ça qui m'intéresse ben, surtout. Oui, on aimerait bien, ouais. Vous l'avez. Allez, je vous la donne. Allez. Entre autres, 6 fois 2, 12. Qui est généreux. 25 moins 12, 13. 13 par 8, 104. 104 fois 7, 728. Et 728 moins 1, 727. Ah, c'est joli. Il ne fallait pas forcément rester focalisé sur la table des 25, voilà. Ah ouais, vous êtes, quand on... ouais. Bah, et ça, vous le voyez tout de suite ? Non, je l'ai cherché un petit peu avec la table oui, de 25, mais je voyais que ça n'aboutissait pas, donc je passais à autre chose. Hmm. Bon, ça va renoncer. les points, c'est un compte approchant, très approchant, hein, je vous allez. L'accorde. Mais c'est du côté de Gilbert qui était à 700, donc ce sera un tarif bon, à allez. 7 points. Un peu plus d'avance pour vous maintenant, Gilbert. Qui va choisir d'ailleurs ? Combien de voyelles ? 5 voyelles. Tirage. B, E, G, E. N, E, U, S, D et A. Gilbert ? 7 lettres. Combien, Laurent ? 9 lettres. Oui, avec quel mot ? Débagué. Non. Ouais, c'est que parfois on est une erreur comme classique. Ça. Ouais. Non. Ah. Ah. Ça n'est pas validé, ça ne marche débagué. Pas. Débagué. Ouais. Non, ne marche pas. Badgeuse. Bon. Ah, bah oui, c'est un peu trop tard, Laurent. Oui, effectivement, on avait deux mots en 8 lettres. On avait la badgeuse, hein, ou la pointeuse électronique en quelque sorte, ouais. Et agendé. Voilà, quand on met sur son agenda. On aurait bien, alors je regarde moi aussi un peu le mot parce qu'on ne lui a pas demandé, on aurait dû vérifier. Mais je jette un petit coup d'œil, vous le voyez, c'était bon. Le mot bandé. Voilà, EES. Et c'est bon, bien sûr. Oui. Et, oui, mais... oui, c'est dans le dictionnaire, bien sûr. Il est lourd, le. Vous allez marquer les points, 9 exactement. L'esprit mal placé. Hein. Bon. 55, mais pas du tout. 55 à 24. C'est un programme familial. Vous êtes bien sur France 3. Et c'est le week-end que nous vous souhaitons excellent. Vous allez jouer maintenant avec les chiffres, messieurs. Oui, vachement. 8, 9, 25, 50, 2 et 8 pour 571.
chaque fois. Ça fait trois fois. Mais si vous débarrassez-vous de cette tablette, arrachez les fils, jetez-la. Mais il y a eu un problème ? Il y a la croix pour revenir en arrière. À chaque fois, je la prends pour le multiplier. Ah ! Ça fait à chaque compte pour l'instant. Bon. Eh bien, écoutez, si vous retournez la tablette dans l'autre sens, il n'y a aucun résultat de votre côté. Ah, si, j'ai 67. Oui, c'est pas beaucoup. Il y a 68, ça passe, hein, Gilbert. Non, il faut être à moins de 100. Faut être... ah, d'accord. Ouais. Il est bien, il me rappelle les règles. 574. C'est bien, vous êtes à moins de 100, a priori. Oui, quand même. On y va. 9 et 2, 11 fois 50, 550, plus 25, 575, 8 sur 8, 1 que je retranche. On peut sûrement faire mieux. Oui, voilà. Ça sera 7 points. En fait, il ne fallait pas paniquer. Mais j'ai pas paniqué. Vous allez voir. Facile à dire, remarquez. 50 plus 8, 58. 8 plus 2, 10. 58 fois 10, 580. Ah ouais. Et on retire le 9. Voyez. Ouais. Enfin, bon, pour autant, nous, avec Blondine, on n'a pas paniqué, mais on ne l'a pas trouvé. Hein. Ah ben ça, c'est normal. D'accord. Eh ben voilà. Là, j'ai point supplémentaire pour M. Cronier. Enfin, moins 10 plutôt. Les points, c'est pour vous, avec le compte approchant, bien entendu. Gilbert, il reste deux coups encore à jouer. C'est donc Laurent qui va décider maintenant pour le mot le plus long. Combien de voyelles ? 6. Oui. On ne change pas d'équipe qui perd. S, N, I, U, L, S, E, E, A et O. Laurent ? 9 lettres. Ah oui, bien. Et Gilbert ? 9 lettres aussi. Bien aussi, alors. Oui. Je ne sais pas. Coup de cirage. Laurent ? Laineuse. Oui, et Gilbert a encore pensé au même mot que Laurent. Très bien, messieurs. Je le soupçonne de copier. Ouais, il a une très très bonne vue, vous savez. Il arrive à voir par-dessus comme ça. Il y a un reflet, en fait, sur le projecteur là-haut. Il arrive à voir ce que vous faites. Non, là, bravo, ça a messieurs. Il n'y a pas eu d'erreur de manipulation. Non, c'est très bien. Il n'y avait pas de mots, de dilettes. De toute façon, on avait aussi Léonaise. Donc, c'est pays de Léon. Vous, hein. Voilà, pays de Léon, bien sûr, en Bretagne. C'est la même chose que Léonard. Ouais. C'est ça. Merci. Nous avons fait le tour de la question sur ce coup de lettres. Un dernier coup de chiffre dans cette première manche. Le voici. 200. 75, 4, 6 et 6. 496. Laurent. Je l'ai. Gilbert. Je l'ai aussi. C'est Laurent, bien ce que Laurent, tout de même. Ah ouais. Alors, 6 fois 75, ça fait 450. 100 divisé par 2, 50. 450 plus 50, ça fait 500. Et je retranche 4 à ces 500 et ça fait 496. C'est formidable d'avoir appuyé sur la bonne touche de multiplication. Ouais, mais moi, c'était la première. Après, j'ai eu le temps de rectifier. Ouais, c'est ça. Des applaudissements pour Laurent, mais aussi pour Gilbert. Voilà, puis un petit moment de répit donc pour Stéphane, enfin. Voilà, le bon compte. Et les 10 points supplémentaires, bien sûr, avec ce que vous venez de trouver. Gilbert est à 81 points. Laurent affiche 43 points au compteur à la fin de cette première manche. C'est parti, voici les duels. La deuxième manche. Faut tout donner. Une bonne résolution, ça, Laurent. Tout donner dans cette deuxième manche. Il n'y a plus que ça à faire, de toute façon. Oui. 50 points à prendre au cours de cette deuxième partie de jeu. Vous êtes, tout va bien, Gilbert ? Oui, je dis, je veux bien qu'il me donne tout. Ah oui, d'accord. Allez, concentré, vous allez jouer maintenant sur une première proposition. Elle est à 10 points. C'est un thème, Stéphane. Oui, thème envoyé par Inès Trubert de Versailles qui vous demande de jouer avec des huiles. Et voici le tirage. L, I, C, E, O, O, L, Z, V et A. Oui. Colza et olive.
Oui. Ouais, l'huile d'olive, l'huile de colza. On commence par le colza reconnaissable à ses fleurs jaunes qui donnent aussi ses petites graines noires. Alors le grand atout de cette huile végétale, ce sont les oméga 3. Elle est aussi riche en oméga 9, en phytostérol et en vitamine E. C'est la deuxième huile alimentaire la plus consommée en France après l'huile de tournesol. L'huile d'olive, bon, ben, c'est l'un des fondements, on le sait, de la cuisine méditerranéenne. Elle est connue depuis la plus haute antiquité. Les Grecs anciens, les Phéniciens, les Arabes, les Berbères et les Romains l'utilisaient notamment pour la cuisine, mais aussi pour les produits cosmétiques, et les Hébreux pour allumer leurs chandeliers. Certaines se vendent très cher. Et à ce petit jeu-là, la plus chère au monde, c'est celle de Seggiano, une petite ville située aux confins de la Toscane, entre des petits lacs et au pied du mont Amiata, un ancien volcan, ce qui lui donne un goût fruité et épicé. Ouais. Et alors, son prix peut aller jusqu'à 230 euros le litre. Ah ouais. Quand même. Ah ouais, ouais. Faut pas la... Ouais, faut pas trop passer. Faut pas faire tomber le flacon. 230. Et puis le colza, bien sûr, l'huile de colza. Mais on en fait aussi des biocarburants aujourd'hui avec le colza. Tout à fait. Voilà. Très bien. Sur ce premier thème, les 10 points sont attribués. Colza et olive, bonne réponse du côté de Gilbert, qui est à 91 maintenant. 10 points en jeu. À nouveau avec encore Stéphane. Je ne le déplore pas. Vous n'avez pas le choix, de toute façon. C'est du calcul. Du calcul qui a été convoqué par Mathieu Blanchet de Lavelanet dans l'Ariège. Il vous demande d'effectuer les opérations suivantes. Accrochez-vous bien. 45 fois 55 divisé par 99. Moins 10 fois 35 plus 1499. Gilbert. 2024. Alors là, bravo Gilbert. Parce que on était quand même sur un calcul assez coton. Oui, mais je ne les ai pas faits, j'ai simplifié. Oui, bah oui, vous fermez les yeux, puis ça apparaît directement. C'est signé Gilbert. Alors, on voit un détail, les opérations. 45 fois 55, 2475, si on veut faire toutes les opérations, divisé par 99, 25. 25 moins 10, c'est celle que je préfère, 15. 15 fois 35, 525. Et là, on additionne 1499, 2024. Ouais. C'est un compte olympique, on peut dire. On peut, là, 5 étoiles. Voilà. Non, c'est 2024, c'est pour ça que j'ai dit ça. Oui, j'avais compris. Ah bon, d'accord. Non, je vais tout lui expliquer, on ne sait jamais. C'est bien joué, Gilbert. Gros score du côté de Gilbert. Regardez, il reste encore deux duels. Il y a 30 points encore à prendre. D'ici la fin de ce match, il est déjà à plus de 100. 101. Un tout petit peu moins pour Laurent. À peine. À peine. Vous êtes à combien, à votre avis? Vous connaissez le score? 43, ouais, c'est ça, ouais. Le troisième duel, pardon, maintenant, c'est Blandine, bien entendu, qui va vous l'énoncer. C'est un duel d'orthographe, Blandine. Oui, c'est Jacqueline Jebu de Dijon qui vous demande d'épeler le mot suivant. Condottière. Condottière. Oui. Allez-y, Gilbert. Alors, C-O-N-D-O-T-I-E-R-E. Aïe, non. Il manque un T. Oh. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça vient de l'italien. Alors, les condottieri, c'est au pluriel, donc condottieri, c'était des entrepreneurs de guerre, parce qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, bah, les cités italiennes se liaient par contrat. Et en italien, les contrats se disent condotta. Voilà. D'accord. Pas facile, hein. On a entendu ce cri, cette douleur, ce cri du cœur de votre part. Aïe. Ah, bon. Cela dit, il n'y avait pas une prise de risque énorme tout de même, hein, du côté de Gilbert. Vous offrez ces 10 points à votre adversaire. Ouais. Et adversaire reconnaissant d'ailleurs. Et score augmenté de 10 points pour vous. Et le quatrième et dernier duel, le l'un dans l'autre, il va rapporter bien entendu 20 points, mais aussi pour celui qui le trouvera, ce cadeau. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone. Pearl, au cœur de l'innovation. À l'un dans l'autre, Blandine. C'est Philippe Tadom de Dessines-Charpieu dans le Rhône qui vous demande de trouver un empereur de Mongolie et une épice aux effets stimulants. A-I-K-N-G-S-E. N, H et G. Gilbert. Genghis Khan et le Jinxing. Oui, bravo Gilbert.
Le plus facile. Il y a une petite hésitation quand même, Blandine. Non, ça va. Gengis Khan, c'est pas facile à dire. Gengis Khan. Il fut l'un des meilleurs généraux de son époque et même l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Donc au début du XIIIe siècle, en seulement une vingtaine d'années, les Mongols conquirent une partie du nord de la Chine et anéantirent aussi l'Empire musulman en Asie centrale. Et une vingtaine d'années plus tard, les troupes ont menacé des pays jusqu'en Hongrie et au Japon. Donc vous imaginez l'étendue de leur conquête. Et cette expansion était incroyable parce qu'il s'agissait de bergers nomades qui étaient évidemment de formidables guerriers et cavaliers, mais ils ne disposaient que d'arcs. Leur arme principale, l'arc composite, se présentait un peu comme l'arc des Scythes utilisé 2000 ans auparavant. Et il était d'une violence, évidemment, on imagine, assez importante. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est qu'il avait instauré une méritocratie. C'est-à-dire, ce n'était pas forcément les nobles qui étaient des guerriers reconnus, mais si on faisait ses preuves, on pouvait progresser. Donc, il a changé aussi la façon de conquérir le monde. Il cachait son jeu, le garçon, parce qu'il y a un petit côté comme ça, bien oui, rond. Jovial. Hein, voilà. Oui, non, faut se méfier. Hein. Pas vraiment sympa. Hein. Mais peut-être qu'il prenait du ginseng. Oh. Ah ben oui. C'est reparti. Voilà, on prétend qu'il serait né il y a plus de 4000 ans de la force. Alors c'est joli, hein, cette métaphore de la force d'un éclair frappant un ruisseau d'une montagne chinoise. Ah, alors bon. D'après cette légende, ce serait le résultat de la fusion de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. Et le ginseng, il est utilisé aujourd'hui pour lutter contre le stress, comme tonique générale, évidemment en cas de fatigue, par exemple physique ou intellectuelle. Merci infiniment, Blandine. Bravo pour ce quatrième et dernier duel. Les 20 points supplémentaires pour vous, Gilbert. Score de 121 à 53. Cinquième victoire aujourd'hui pour Gilbert. Bravo, Gilbert. Bravo, bravo, bravo. Et puis, bien entendu, Gilbert, comme promis, ce cadeau. Partez à deux le temps d'un week-end. Dans le complexe hôtelier 4 étoiles, les Bains de Saillon. Vivez une expérience unique de détente en Suisse. Bravo Gilbert pour ces 5 victoires. Laurent, sincèrement, 53 au compteur, mais sur la bonne humeur, ça valait au moins 120 points. On a été heureux de vous avoir. Moi, j'aurais dit 122 pour être devant non, Gilbert. Moi, je suis juste en dessous. Moi, je maintiens le vainqueur. Je respecte le résultat du match. Cadeau pour vous, Laurent. Merci. Vous remportez le célèbre Petit Robert. Comme on dit chez nous, le grand livre du français de nos régions. Et des livres savoureux sur les expressions françaises. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia. Vous offrent 200 euros à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Merci beaucoup Laurent d'être repassé par chez nous. Merci, j'ai peut-être eu tort de ne pas avoir peur finalement. Ça, on vous laisse la réflexion, on vous laisse y réfléchir. Mais je connais Gilbert, il est de toute façon meilleur que moi, donc il n'y a aucun souci. Bon, on espère qu'il sera bon sur ses mots de la fin, ce sera sa 5e participation avec un sésame en tête. A tout de suite. Ouch. Mal au dos? Visitez perco.com et découvrez tout sur le nouveau t-shirt qui soulage le dos, élu produit de l'année 2024. C'est une solution discrète. Grâce à ses tenseurs, ce dispositif médical vous invite à vous redresser pour renforcer vos muscles dorsaux. Pour Venuit, Perco a conçu avec des professionnels de santé le matelas qui soulage le dos. Grâce à lui, 87% des utilisateurs confirment un soulagement de leur douleur. Pour tester les produits Perco, profitez de 100 jours satisfaits ou remboursés sur perco.com. Enrhumé ? Il y a plus simple pour soulager votre rhume. À base de soufre, ActiSoufre est une solution efficace en cas de symptômes de rhume. Ouf, il y a ActiSoufre. À utiliser dans les états inflammatoires chroniques des voies respiratoires supérieures, tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Torgal, l'intégrale en édition collector. Suivez les aventures du célèbre guerrier viking grâce à cette superbe édition grand format de bande dessinée. Le numéro 1, 2,50€ seulement. C'est fou ce qu'elle a grandi, Lily. Elle grandit plus vite que son lit, d'ailleurs. Là, elle teste un peu son nouveau lit. C'est son troisième. Oui, parce qu'avec Camif, vous pouvez aussi choisir de louer vos meubles pour bébés et enfants. Du coup, dès que vos besoins évoluent, ils changent de main pour servir à une autre Lily, ou Julie, ou Sophie. Et pépite sur le cookie, en louant son lit, Lily a permis une réduction de 74% d'émissions de CO2. Et ça mérite bien quelques miettes sur le lit. Hein, Lily? Camif, changeons le monde de l'intérieur. Quand les ballonnements s'invitent, réagissez avec Carbolevure. Action 2 en 1, à base de charbon pour absorber les gaz intestinaux et de levure pour restaurer la flore intestinale.
Carbolevure vous déballonne par nature. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Les publicités de voitures commencent souvent comme ça. Chez nous, c'est comme ça qu'elles se terminent. Chez Aramis Auto, nos voitures d'occasion sont reconditionnées par des experts pour vous offrir la meilleure qualité avec une garantie zéro frais d'entretien pendant un an. Et surtout, jusqu'à 30% moins cher que leur valeur neuve. Comme ça, avec ces 30% moins chers, à vous les balades dans des paysages de publicité. Enfin, si c'est votre truc. Trouvez votre nouvelle voiture sur aramisauto.com. Aramis Auto. C'est bon, j'ai appelé le plombier. Il passe dans 3 jours. Parfait, mon amour. Sinon, il y a Desktop Turbo. Pour quelques euros, sa formule concentrée débouche illico les bouchons, même les plus difficiles, en 5 minutes chrono. Desktop Turbo. Et pour vos canalisations ? Desktop Entretien Canalisation 1. 2 bouchons par semaine, pour éviter de se boucher le nez. Desktop Entretien Canalisation. Tiens, c'est marrant, la dernière fois, je faisais une quiche au lardon et... Oh. Bah quoi ? On sait que t'as de l'argent. Ouais, d'accord, j'ai de l'argent. T'es pas obligé de préciser que t'as des lardons. Ouais, bah ça va, si à 40 ans, je peux pas me faire une petite quiche Lorraine. Ça va. Et... Alors j'ai mis des œufs, j'ai mis de la crème, ouh là là, j'ai mis des lardons, arrêtez-moi. T'es là, t'étales ton argent, je veux dire. Fais une quiche Lorraine, mais nature, quoi. Nature, mais bien sûr, j'y avais pas pensé. Une quiche Lorraine nature. Salut. Salut mon chéri, tu m'as pris du sirop ? Oui, pour la toux sèche, la toux grasse, la toux aiguë et la toux persistante. Mais t'en as acheté combien ? Un seul, Grintus. Grintus a une formule 100% naturelle et calme la toux de toute la famille. C'est un dispositif médical par Aboca. 59, fièvre, 58, 57, courbature, 56, 55, frisson, 54, 53, maux de tête, 52. L52, médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des états grippaux. Laboratoire Lenning. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Retrouvez-nous en pharmacie et sur lenning.com. J'ai 2 questions importantes à poser à Gilbert. Je la poserai un petit peu plus tard, mais je vous demanderai si vous souhaitez continuer après cette 5e victoire. Mais pour le moment, je vais vous demander si vous jouez, puisque vous avez le sésame, sur la liste à thème ou la liste classique. Classique. Classique, 100 euros par mot à découvrir. Voici le chronomètre pour Gilbert et le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top. Passe. 8 lettres. Abyssal. Pardon ? Abyssal. Abyssal, je valide. 100 euros, 9 lettres. Pointillé. Pointillé, oui. 200 euros, 10 lettres. Décrochage. Oui. 300 euros, une 20, 7 lettres. Vaudou. Vaudou, pluriel, oui. 100 euros supplémentaires, 8 lettres, 400 euros. Charnier. Oui, 500 euros, 9 lettres. Facilité. 600 euros. 10 lettres. Je passe. On revient sur le premier 7 lettres. Morveux. Morveux, oui, 700 euros. 30 secondes. Gratouille. Gratouillé. Gratouille. Gratouille, oui, c'est bon. Voilà, 800 euros et le sésame que vous n'avez pas utilisé, donc 900 euros supplémentaires dans le montant de votre cagnotte. Donc au total, vous découvrez le montant de vos gains, vous êtes à 2350 euros. Ces gains sont acquis, vous avez remporté 5 victoires Gilbert, on est d'accord. Souhaitez-vous continuer vers un 6e match,
peut-être un septième, un huitième et aller jusqu'au dixième, sachant que les gains que vous accumulerez, vous les mettrez en réserve et vous ne pourrez les percevoir que si vous remportez 10 victoires. Je continue. On retrouvera Gilbert la prochaine fois. Très bon week-end à tous, belle fin de journée et à très vite.